En marge de la campagne électorale qui s'est ouverte ce vendredi 25 août, Agnès Monnet, maire d'Agou et candidate de la liste Alliance pour le progrès social et économique d'Agou, a procédé le jeudi 24 août à la remise officielle du matériel biomédical au centre de santé rurale de Boudépé, entièrement rénové par la mairie. Au total, ce sont 11 lits d'hospitalisation à tête relevable, 8 portes sérum, 5 lits d'accouchement hydraulique, 5 pèses bébés, des bancs d'attente, des meubles de rangement, des fauteuils de bureau, des climatiseurs, ainsi que des bureaux directeurs avec retour à 3 caissons, qui ont été réceptionnés par la sage-femme de la maternité de Boudépé, qui a promis d'en faire bon usage. En faire bon usage dans un cadre propre, viable et sain. Le matériel et la rénovation d'une valeur globale de plus de 72 millions de francs CFA viennent soulager la population de Boudépé. Je suis tellement heureuse de voir que mon rêve se réalise pour la population de Boudépé. Merci parce que vous permettez que nous ayons des soins de qualité en ce jour. Et c'est ce que le ministère nous demande. Nous allons en faire bon usage. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Je le dis parce que c'est une dame au grand cœur. À chaque fois que les sages-femmes de la commune d'Agou la sollicitent, elle est toujours prête à nous aider. Merci maman, merci pour tout. Devant la chefferie de Boudépé, les jeunes et les femmes venus en grand nombre pour dire merci au maire pour ce geste d'humanité en leur endroit, Agnès Monnet a tenu à dire à son tour à sa population le sentiment de joie qui l'anime au moment où elle donne officiellement ses matériaux, puisque, épouse et mère, elle connaît l'importance d'un bon couvert médical. Un de vos fils, Sika Pater, nous a rendu compte du désir des populations de Boudépé, dont le choix, la priorité, c'était plutôt la réhabilitation du centre de santé. Je profite de cette occasion pour dire que les réunions du conseil municipal, c'est d'abord vous. C'est là-bas que vous dites qu'est-ce que vous voulez. Et ensemble, on programme cela. Le conseil municipal, je l'ai dit, a consenti, n'est-ce pas, au choix prioritaire de nos parents de Boudépé. En plus de la réhabilitation, donc, qui est chiffrée à 38 millions 15 000 francs, nous avons l'équipement en matériel biomédicaux à hauteur de 25 586 000 francs CFA. Et l'équipement en bureau, en mobilier administratif, c'est 10 millions de francs CFA. Ce qui nous fait un total de 73 601 000 francs CFA. Et ça, ça a été réalisé sur le budget de la commune d'Agou. Je voudrais donc dire aux parents que un développement sans un pan social important, de mon point de vue, est un développement handicapé. En plus de la remise officielle du centre de santé rénové et le matériel, Dr Agnès Monnet a saisi cette occasion pour émettre des chèques allant de 200 000 francs à 1 million à plusieurs associations de la commune, notamment l'Union des femmes d'Agou, UFECA, l'Union des jeunes de Boudépé, les retraités de Boudépé et à l'Union des personnes vivant avec un handicap de ce village. Moment de joie, d'ambiance des filles et fils de Boudépé autour de leur mère. Première femme maire de la région de la Mé, candidate à sa propre succession en alliance avec le PDCI RDA. La cérémonie s'est achevée par la visite guidée du centre de santé.